Je m'appelle M. Abdoulaye Diop, je suis président des réfugiés négro-mauritaniens exilés au Sénégal, du mouvement Younti. Alors, la campagne pour la présidentielle du 24 février 2019 bat son plein au Sénégal. Quel est votre sentiment par rapport justement à ce qui se passe depuis bientôt une dizaine de jours? D'accord, mon sentiment, c'est une déclaration interpellative à l'endroit de ces 5 candidats pour les présidentielles du 24 février. Parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas préoccupés par la stabilité dans le Nord. Tout le monde sait que l'équipe précède le développement. Et je pense qu'il est normal, avec le grand nombre de réfugiés qui se trouvent de Saint-Louis à Bakel, que les candidats aient une idée par rapport à une solution définitive du problème. Et on ne peut pas à chaque fois, quand il y a escarmouche entre Mauritanie et Sénégal, on ne se penche que sur la pêche. Et le problème principal, ce n'est pas la pêche, c'est la présence des réfugiés négro-mauritaniens que le Sénégal voudrait tout faire pour que ces gens-là se naturalisent. Et nous pensons que ça va poser problème sur le foncier. Parce que ces gens, quand ils prennent la nationalité sénégalaise, il faut des accompagnements. Et il me semble que ces candidats n'en parlent pas et nous sommes désolés. Quelle est aujourd'hui la situation des réfugiés négro-mauritaniens au Sénégal? Comme toujours, vous savez qu'à chaque fois, ils n'ont jamais fait un recensement exhaustif pour connaître le nombre. Mais ce que je peux en dire, c'est qu'on est plus de 30 000 dans la vallée. Et nos enfants qui sont nés ici au Sénégal détiennent des cartes d'identité sénégalaises. Et je pense qu'il urge que le Sénégal fasse tout pour parler à la Mauritanie, que ces réfugiés reprennent leur dignité. La campagne de Dorna, nous voulons nous parler des candidats. Parce que nous avons une mission de débattre de foot. Et le plus souvent, nous avons le problème des réfugiés négro-mauritaniens. Nous avons 30 ans. Nous avons dit que nous avons commencé à faire des choses. Nous avons dit que le pétrole et le gaz sont rafetone ci candidat yi wax nu ci sen programme ñun ñu xam lan lañu dëngal parce que ay mauritanien lañu bobu ba légui ñi ngi fi suñuy doom nak fi lañu juddoo ma yaakar nak rafetone nañu tok ak ñun xol lan la parce que Sénégal politique bu muy bëgg doxal def ben plan stratégique c'est pour réfugiés yi jël nationalité sénégalaise té lolu xam nañu dina poser problème parce que c'est un problème de souveraineté parce que le foncier il faut des nationaux et ça il faudrait que ñoñu ñu wax ci ñu xalaat ñu tok ak ñom wax tan dal mën nañu japp ni yeen da ngeen am ay jafé jafé jamono yi ci lañu dëkk ñun kay jafé jafé do dégg kenn wax suñu wax et ñun sax li ñu tital moy gouvernement bi nga xamné mu ngi jeex du ci wax parce que ñun yaakar na fa mu am courage politique bu nga xamné ñu wax ak nar yi parce que ñi ñu genn ci réew mi fofu lañu bok ñu wax ak ñom mais suko Sénégal bëggé régler ni ñun lolu daf ñuy jaaxal te kenn du ci wax xawma lu ñuy neub ñun lolu daf ñu jaaxal te nak soy wat nit dang koy wo mu fekke ko nga tok nga waxtan ak mom ñu mën xam ñi lan lañu fasiyene def ci les réfugiés ci lool bëgg ngeen dégg dal candidat bëgg nañ ci dégg trop pour le moment suñu statut de réfugié voté wuñu defu ñu dara waye li ci am solo moy programme bi ñu xam au juste ñi mom lan lañu dencal daw laq yi ndax affaire la bu nga xamne xam nañ ni mën na yëngal lu bari quoi surtout ay nit ñu xamne amuñu kayit amuñu lool defal na ci souveraineté.